Et ce soir, nous allons aborder un thème très très important, c'est celui des paroles. Voilà. Est-ce que nos paroles seront des dynamites qui vont détruire nos vies, ou est-ce que nos paroles sont de l'engrais qui vient arroser notre quotidien, pousser notre existence et nous permettre d'atteindre notre destinée? En tant que femme, nous devons savoir que toutes les paroles qui sortent de nos bouches ne sont pas anodines, parce que la parole a un pouvoir. C'est ce que nous allons voir tout au long de ce mois de septembre, et nous allons aussi prier pour que le Seigneur nous donne d'avoir la bonne attitude par rapport à nos paroles. En plus de ce thème, nous avons quelque chose de très très spécial aussi que nous allons mener pendant ce mois de septembre. Nous allons parler du ministère Message de Vie. Alors, qui est le ministère Message de Vie, ou si vous voulez, qu'est-ce que c'est que le ministère Message de Vie? Le ministère Message de Vie est un ministère inter-ecclésiastique qui a été fondé et qui est dirigé par le pasteur Mohamed Sanogo depuis 1996. C'est un ministère inter-ecclésiastique, c'est-à-dire qu'il réunit les chrétiens de toute dénomination, et son objectif, c'est l'évangélisation. À Message de Vie, on dit qu'on veut ramener le cœur des nations à Christ. On va prier pour dire merci au Seigneur, en tout cas pour tout ce qu'il fait dans la vie de son serviteur. Protection divine de son partage. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On est en plein pied, voilà, dans notre thème, les paroles, ou plus exactement, le pouvoir de nos paroles. Nos paroles sont très très importantes. Elles vont avoir un effet positif ou un effet négatif dans nos vies en fonction de la façon dont nous parlons, en fonction de comment nous parlons, en fonction aussi des fois de la personne à qui on parle. Dans le titre de mon message, j'ai parlé de dynamite. Alors la parole, elle peut venir et consumer tout autour de toi, ou devant toi, ou derrière toi, en tout cas, elle peut venir comme une dynamite ou un feu qui va venir anéantir des choses que tu as bâties, ou que tu étais en train de bâtir, ou des choses que d'autres personnes ont bâties, tu vois. Mais la vérité, c'est que la parole peut aussi être une source de bénédiction. Il le dit, même s'il n'insiste pas dessus, on peut, en tant qu'enfant de Dieu, décider d'utiliser notre parole, d'utiliser notre langue comme une source de bénédiction, comme une source d'édification. Donc, comme un engrais, une source enrichissante qui va venir pousser nos destinées dans le sens que Dieu a prévu, qui va venir nous tirer vers notre élévation selon le plan de Dieu. Parce que justement, nous disons ce que nous devons dire, nous parlons comme nous devons parler, parce que Dieu lui-même, en fait, a utilisé la parole, comme on l'a vu la semaine dernière, pour bâtir l'univers. Voilà. Il a bâti l'univers par sa parole. Donc, il y a quelqu'un à qui le pouvoir a été donné de bâtir son avenir, de bâtir son lendemain, de bâtir sa vie simplement par sa parole. Voilà. Dis avec moi, je vais parler de la bonne façon. Je vais parler de la bonne façon. Je vais parler comme Dieu parle. Je vais parler comme Dieu parle. Tu vas parler comme Dieu parle. Je voudrais souligner un élément très, très important. C'est le fait que nos paroles, sans qu'on s'en rende compte, vont avoir un impact sur l'exaucement de nos prières. Ce n'est pas tant que ça, ce que nous disons en priant, mais au fond, c'est ce que nous disons au quotidien. C'est ce que nous disons tous les jours. Beaucoup pensent que Dieu ne les entend que lorsque elles entrent dans leur chambre, ferment la porte et prennent une position de prière. Non, Dieu t'entend avant même que tu ne décides de prier. Dieu t'entend quand tu es avec tes amis. Dieu t'entend quand tu es au travail. Dieu t'entend dans toutes les activités que tu fais. Et toi, tu penses que tu as commencé à prier au moment où tu as décidé de prier. Mais la vérité, c'est que la prière s'est élevée vers Dieu avant même que tu décides de prier. Et comme ça, beaucoup de personnes, en fait, vont voir leur prière est neutralisée par des paroles qu'elles ont dites avant.
paroles viennent toujours de notre cœur. Voilà. Il n'y a aucune parole que nous prononçons qui ne vienne de notre cœur. Parce que la Bible nous le dit dans le passage de Luc 6, et c'est particulièrement le verset 45. Il est dit, je lis ce verset qui est très très important, que nous devons noter. Il est dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car, dis avec moi, car. 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 On dit quoi? Conjonction de coordination, voilà. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimé Léaman, il faut que tu saches qu'il n'y a aucune parole que tu dis qui vienne du néant. Non, jamais. Toute parole que nous prononçons vient d'une pensée, vient de notre cœur. Quand on parle du cœur, en fait, on parle de la pensée. En fait, il n'y a aucune parole que nous disons qui n'ait été pensée. On doit faire attention, on doit veiller à ce que nos paroles soient assaisonnées de sel. Ah. Voilà, et moi, j'ai l'habitude de le dire chaque fois que je parle avec des femmes ou avec des amis. Je dis que nous devons veiller à ce que notre assaisonnement préféré lorsque nous parlons, ce soit le sel et non pas le piment, par exemple, ah. et non pas le poivre. Voilà, parce que bon, il y a des assaisonnements qui sont forts, qui vont faire pleurer, qui vont faire éternuer, qui vont, voilà, ou qui vont dégoûter, voilà, ou qui vont apporter de l'amertume. Voilà. Donc, par exemple, si des personnes ont des paroles citronnées tout le temps, ta parole, elle est tout le temps citronnée, elle est toujours acide et tout, tu peux simplement décider de changer l'assaisonnement de tes paroles. Quand Dieu parle, Dieu parle pour bénir, Dieu parle pour construire, Dieu parle pour encourager. Et donc, nous devons être à l'image de notre Père, avoir des paroles toujours bien assaisonnées. Alléluia. Amen. Voilà, donc, je pense que la question qui se pose à ce stade de notre discussion, c'est comment est-ce que nous pouvons avoir dans la bouche justement toutes ces bonnes paroles-là. Le premier point que je voudrais aborder, c'est le fait que nous devons laisser le Saint-Esprit remplir nos bouches de paroles. Et le deuxième point, c'est le fait de méditer régulièrement la parole de Dieu, voilà. Le point 3, c'est que nous devons avoir de la foi et de l'espérance, voyez. On l'a dit, la parole vient toujours de ce qui est en nous, de ce qui est dans notre cœur, dans nos pensées. Voilà, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et à partir de ce moment-là, nous devons être des personnes qui sont remplies de foi et d'espérance. Voilà. Et puis le quatrième point, c'est le fait de parler comme Dieu. Voilà. Parler comme Dieu, en fait, c'est adopter le langage de Dieu. C'est dire ce que Dieu dit. Voyez, des fois Dieu dit une chose, nous on dit une autre. Voyez, moi j'ai déjà entendu ce langage là où des personnes disent oui, Dieu dit, mais moi je dis. Voyez, nous ne devons pas nous désolidariser de ce que Dieu dit dans sa parole. Le dernier point, qui est le point 5, c'est le fait que nous devons appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. C'est vrai que c'est un point qui rejoint celui de la foi et de l'espérance. Mais la foi, l'espérance parle d'images, de choses que nous voyons déjà dans l'esprit. Mais le fait d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, c'est déjà même être capable de parler d'une certaine façon avant même d'avoir vu, ne serait-ce même qu'en image.